C'est un beau spectacle qu'ont donné à voir les aprimes des sélections zambiennes et nigériennes au cours de cette deuxième journée du mini-tournoi Prechan 2020. À l'annexe numéro 1 du stade Omnisport de Yaoundé, les deux équipes se sont neutralisées avec un total de 6 buts. La rencontre qui s'est soldée sur le résultat final de 3 buts partout a connu une première mi-temps dominée par les Chipolopolo de la Zambie. Après 8 minutes de jeu, Colin Sikombe inscrit le premier but en faveur de la Zambie. 4 minutes plus tard, Ibrahim Issa égalise, mais les Chipolopolo à travers Moses Firi marquent un deuxième but, mettant un terme à cette première période sur un score de 2-1 en faveur de la Zambie. D'une certaine manière, c'est une satisfaction partielle parce que nous avons marqué 3 buts et une déception car nous avons perdu notre concentration durant cette rencontre. Les matchs de ce tournoi ont pour but de nous montrer les éléments à corriger afin que nous puissions nous améliorer. On va égaliser. Donc c'était une défaite du côté du gardien. Bon, on va égaliser. Pour l'année, si on est là, l'année, si c'est pour nous. S'ils étaient un peu timides à la première mi-temps, la seconde période a plutôt été maîtrisée par les menaces du Niger. Cette seconde partie du match s'est avérée plus attractive avec les doublés en moins de 20 minutes des attaquants zambiens et nigériens Colin Sikombe et Ibrahim Issa et 3-2 en faveur de la Zambie. La sélection de Haruna Doula à travers un schéma tactique bien huilé opéré par Moussa Issa a su réduire la marque et terminer cette rencontre sur un score de parité de 3 buts partout. On a été par 3 fois aller chercher à revenir le score, ça veut dire qu'on a montré du caractère. C'est vrai, ce ne sont pas sur des phases de jeu réelles qu'on a réduit ce score, mais faire 3 buts sur des situations standards, sur des balles arrêtées, et il faut le faire, il faut dire bravo aux enfants. C'est notre premier match dans ce tournoi et nous avons fait une bonne performance. Nous pensons que le meilleur est à venir et nous ne sommes pas déçus car ce match avait pour objectif de mieux nous préparer à la compétition. C'est donc une occasion pour notre équipe d'apprendre de nos erreurs. Fin de la deuxième journée du mini-tournoi. Avec un total de 6 buts inscrits, la rencontre Zambie-Niger est pour l'instant la plus prolifique de la compétition en termes de buts marqués. Pour la troisième journée du Prechan 2020, la Zambie croisera l'Ouganda tandis que le Niger affrontera le Cameroun.